Bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste plurielle et slow, et aujourd'hui, je propose de discuter un petit peu ensemble autour d'un thé pour parler opération porte-monnaie zippée. Alors ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude et où l'image n'a pas particulièrement de valeur ajoutée par rapport à ce que je raconte. Donc vous pouvez tout à fait aller l'écouter en mode podcast en faisant autre chose par ailleurs sans regarder l'écran, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai choisi de le mettre ici plutôt qu'en podcast parce que je vous avais parlé d'opération porte-monnaie zippée en 2020. Et donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous faire une petite mise à jour de comment je vois les choses un an plus tard avec toutes les réflexions que j'ai pu avoir autour de la simplicité en 2021. Là aussi, il y a des vidéos sur le sujet si ça vous intéresse, qui m'ont fait repenser un petit peu mon rapport à l'objet, à la consommation et à justement ce défi ou cette habitude que j'ai envie de prendre de consommation plus intentionnelle. Et voilà, j'avais envie de vous parler de cette mise à jour un petit peu aujourd'hui. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, début 2020, j'ai choisi de lancer ce que j'ai appelé une opération porte-monnaie zippée, qui était en fait une opération, on va dire un défi qui me permet d'acquérir des habitudes de consommation plus intentionnelles, de moins consommer, de moins acheter, de mener une vie plus simple, plus éthique, plus écologique aussi, d'avoir des comportements d'achat qui sont davantage alignés avec mes valeurs. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé en 2020, hein. Je vous inviterai à aller regarder les vidéos que j'ai faites, puisque j'ai fait des mises à jour tous les trimestres, donc vous pourrez voir un petit peu comment ces choses-là ont évolué. J'ai fait ce que j'ai pu. En 2021, j'ai choisi de mettre un petit peu tout ça en pause parce que j'avais d'autres priorités, à la fois dans mon développement personnel et d'un point de vue professionnel, notamment le fait de redéfinir la notion de simplicité et le type de vie simple et sereine que je souhaitais mener à son socle, et du coup ça n'avait pas tellement de sens de lancer un défi de simplicité tant que j'étais pas à l'aise avec une définition qui me convenait. La manière dont j'ai choisi de faire les choses en 2022 repose sur deux éléments qui n'étaient pas aussi présents à l'époque, qui sont le pourquoi, la motivation profonde et la notion d'identité. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. La notion de pourquoi, motivation profonde. Avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai réécouté mes propres vidéos porte-monnaie zippée que j'ai enregistrées en 2020. Pouvoir prendre un peu de recul par rapport à tout ça, tirer quelques leçons, voir avec le temps ce qui a bien marché, moins bien marché, ce que j'ai pu apprendre et comment je peux tirer des leçons de cette première expérience qui a eu des réussites et des échecs pour que celle-ci se passe mieux, pour que je continue à grandir sur ce chemin-là. Et je me suis rendu compte que dans toutes les vidéos où je vous parle de cette opération porte-monnaie zippée, il n'y a pas de pourquoi profond. Il y a, on va dire, le pourquoi de surface qui est « j'ai envie de mener une vie plus simple et sereine, j'ai envie de consommer de manière plus intentionnelle ». Oui, mais pourquoi en fait? Pourquoi j'ai envie de mener une vie plus simple et sereine? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi j'ai envie de consommer de manière plus intentionnelle? Pourquoi c'est important pour moi de faire ça? Vous savez, c'est un petit peu les poupées russes du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais A parce que B? Mais pourquoi je veux faire B? Parce que C. Mais pourquoi je veux faire C? Vous voyez, de vraiment descendre dans le... jusqu'à trouver le cœur du pourquoi, qui est quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, qui compte vraiment pour soi. Et il y a 10 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la simplicité, j'avais un pourquoi très clair, puisqu'à l'époque j'étais étudiante. J'avais pas du tout de clarté dans ce que je voulais faire dans ma vie, j'avais pas beaucoup d'argent. Je venais de déménager, enfin, quand j'ai terminé mes études, un de mes premiers boulots, c'est quand je suis venue à Paris et j'ai déménagé dans un 2 pièces de 20 mètres carrés où du coup le pourquoi de trier et pas beaucoup acheter était très clair, c'était pour le bien-être de mon intérieur et me sentir bien chez moi, parce que j'avais très très peu de place et c'est très important pour moi de me sentir bien chez moi. Et donc j'avais un pourquoi très clair à l'époque qui était un pourquoi de, comme j'avais pas beaucoup d'argent, eh ben, il fallait que je priorise comment je le dépense, donc c'était hyper important de consommer de manière intentionnelle, déjà pour ne pas m'endetter. Et puis pour être en mesure, par exemple, d'économiser pour acheter des objets plus artisanaux, plus éthiques, plus en accord avec la personne que j'ai envie d'être et les valeurs que j'ai envie d'apporter au monde. C'était important aussi pour moi de pratiquer la simplicité au-delà du matériel, parce que j'étais à une époque de flou, on va dire, dans mon identité, dans ma vie, dans ce qui était vraiment important pour moi. Et faire la place à l'essentiel, la simplicité me permettait à faire la place à faire de l'espace mental, à faire de l'espace physique, à faire de l'espace temporel dans mon agenda pour que je puisse expérimenter des choses et pour que je puisse quelque part
revenir vers moi-même. Et donc ça, c'était des pourquoi hyper importants, c'était le pourquoi je veux mener une vie plus simple et sereine. Sauf qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, ces pourquoi-là, en fait, nos pourquoi, c'est pour ça que c'est important et que je fais, moi, dans mon quotidien, je fais des bilans annuels, trimestriels, mensuels, que je remets en question chaque année quelles sont mes valeurs, que je remets en question chaque année qu'est-ce qui me motive, quelles sont mes intentions, quelles sont mes aspirations. Parce qu'en fait, à mesure que notre vie avance, que nos conditions de vie avancent, donc déjà que nous, on change intérieurement dans notre identité, mais que les circonstances extérieures changent aussi, eh bien, il y a des intentions, des pourquoi qui ne sont plus forcément valables, en fait. Et moi, par exemple, dans le domaine de la simplicité, depuis 10 ans, et ce qui est super, parce que ça veut dire que j'ai énormément évolué, et je ressens beaucoup de gratitude pour la Floride il y a 10 ans, d'avoir justement fait ce travail, de faire la place à l'essentiel pour m'amener à être devenue qui je suis aujourd'hui. Mais le fait est qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'habiter dans un appartement qui est beaucoup plus grand avec mon mari, donc j'ai plus le problème de me dire « faut que j'arrête d'acheter des livres parce que j'ai plus de place sur mes étagères », plus ce problème. J'ai la chance aussi d'avoir été en mesure de développer une carrière indépendante qui fait que je gagne suffisamment d'argent pour pouvoir soutenir les artisans, les marketing qui me tiennent à cœur sans forcément avoir besoin d'économiser par avance. Je reconnais que c'est un privilège, hein, mais aujourd'hui j'ai le privilège de pouvoir vivre en accord avec mes valeurs éthiques avec les revenus que je gagne aujourd'hui. Donc il n'y a plus ce côté, il faut que j'économise sur mes salaires étudiants ou sur mes salaires de jeunes employés si je veux pouvoir mettre mon argent vers là où ça compte. Donc j'ai plus cette motivation-là non plus. Et tout le côté faire l'essentiel pour essayer de... Eh ben, de me demander quelle vie j'ai envie de mener, ben, ça c'est... Alors évidemment c'est des réponses qui sont temporaires, mais c'est des réponses que j'ai trouvées. Je me suis reconnectée avec mon art, je me suis reconnectée avec mes valeurs profondes, j'ai quitté mon CDI, j'ai lancé une carrière indépendante, je me suis mise à faire de l'illustration, j'ai rejoint un forum d'écriture, aujourd'hui je suis en train de monter ma maison d'édition. Donc toute cette clarté, que le cadeau que je me suis offert à l'époque de me donner de la clarté grâce à la simplicité, ça a mené à tout ça. Mais du coup j'ai plus besoin de simplifier pour faire la place à la clarté, parce que la clarté je l'ai déjà invitée dans ma vie. Et bien sûr que je fais de la place pour garder cette clarté et continuer à me poser les questions, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup moins de temps et d'énergie qu'à une époque où il fallait tout remettre à plat, vous voyez. Et là où en 2020, je me suis pas rendu compte qu'il fallait que je remette à jour mes pourquoi. Parce qu'en fait, quand je me retrouvais devant un bouquin que j'ai envie d'acheter à la librairie, ou devant une jolie robe que j'avais envie de m'acheter dans une marque éthique, par exemple, bah, j'avais pas de raison profonde pour ne pas céder à l'achat, en fait. J'ai l'argent sur mon compte, j'ai la place dans mon placard ou dans mon dressing. Ce sont des choses qui sont éthiques, qui sont alignées avec le genre de marque à qui je veux donner mon argent. Pourquoi est-ce que je me priverais? Pourquoi ai-je envie de mener une vie simple et sereine? Pourquoi ai-je envie de quand même continuer à faire attention à mes habitudes d'achat? Et en fait, c'est un déclic que j'ai eu en fin d'année dernière qui m'a amenée à repenser justement ce pourquoi. Bah, qui est le fait que j'ai eu cette idée de maison d'édition. Et ma maison d'édition, je l'ai lancée en société, en fait. Donc c'est pas une micro-entreprise, c'est vraiment une société, et quand on lance une société, ça a des coûts. Et en plus, quand c'est une société type maison d'édition, on va y avoir des impressions papier, et on va y avoir des frais de livraison, on va y avoir des choses comme ça. Ça nécessite beaucoup plus d'argent, en fait, beaucoup plus d'apports financiers que quand on se lance en indépendant comme conseiller en communication en micro-entreprise, ce qui coûte pratiquement rien, en fait. Et là, je me suis rendu compte que si je voulais donner la forme que je souhaite à cette maison d'édition, aussi bien en tant qu'artiste qui transmet mon art à travers cette maison, qu'en tant qu'éditrice qui veut ouvrir la porte à d'autres artistes par la suite, bah, je me suis rendu compte que ça nécessitait un certain investissement financier. Donc ça nécessite d'avoir de l'argent de côté, d'avoir une stabilité financière, d'avoir une somme que je suis capable de mettre chaque mois dans la maison d'édition le temps qu'elle grossisse. Et même le jour où elle va grossir et où elle va, comment dire, ramener son propre argent pour pouvoir continuer à faire les choses, si j'ai envie d'aller plus loin, si j'ai envie de lancer un projet supplémentaire, et ben ça va encore être un investissement financier de ma part. Et si un jour j'ai envie de vraiment mettre toute mon énergie dans cette maison d'édition, et donc par conséquent peut-être arrêter mes missions de communication, on n'est pas encore là, mais c'est quelque chose qui pourrait être une aspiration à long terme pour moi, parce que cette maison d'édition me tient énormément à cœur et j'adore travailler dessus, et ben ça veut dire que la maison d'édition, il faut qu'elle génère suffisamment d'argent pour couvrir mes besoins domestiques, en fait, pour couvrir mes finances domestiques.
Et donc tout ça, ça crée un pourquoi beaucoup plus profond de mener une vie plus simple et sereine. Parce que ça veut dire que me montrer à moi-même que je suis capable de vivre avec moins, beaucoup moins que ce que je gagne, me montrer à moi-même que je peux économiser, épargner, avoir de plus en plus de sommes de côté, si jamais je veux un jour passer à temps plein sur la maison d'édition, que je puisse avoir un coussin de revenus assurés pendant peut-être un an ou deux pour pouvoir me le permettre. Voilà, toutes ces raisons-là, c'est des exemples, hein, mais toutes ces raisons-là, ça me donne d'un seul coup un pourquoi reposer la robe sur le portant alors même que j'ai l'argent sur mon compte, la place dans le dressing, que c'est à mon goût et que finalement j'ai rien à perdre à l'acheter. Et bien ce pourquoi-là va me rappeler ce que je perds entre guillemets. C'est-à-dire que si je repose la robe sur le portant, et ben les 100 euros que coûte la robe, je peux les mettre de côté pour mon prochain projet de livre imprimé par exemple. Et là ça donne du sens au fait de respecter les règles que je me pose pour mon opération porte-monnaie ZIP 2022. Donc première chose, avoir un pourquoi qui va au-delà de juste mener une vie plus simple et sereine et dépenser moins d'argent. Ok, pourquoi mener une vie plus simple et sereine? Pourquoi vous voulez dépenser moins d'argent? Pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous allez y gagner? Parce que si on réfléchit pas à ce qu'on y gagne, bah on voit que ce qu'on perd. Ah bah si j'achète pas ma petite robe, je perds la petite robe. Et je perds le plaisir d'acheter la petite robe. Mais si au plus profond de moi-même, je ne sais pas ce que je gagne à laisser la petite robe sur le portant, bah du coup, je vais acheter la petite robe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, premier élément, le pourquoi. Et donc, c'est la première chose sur laquelle j'ai travaillé ce début d'année, avant de mettre en place les règles de l'opération porte-monnaie ZIP 2022. Un pourquoi qui est clair, qui est profond, qui est ancré et qui compte énormément pour moi au plus profond de moi. Ensuite, le deuxième élément qui m'a énormément aidé à redéfinir le contexte et la structure de cette opération porte-monnaie ZIP, c'est de réfléchir à l'identité. C'est-à-dire, quel genre de personne simple et sereine ai-je envie d'être? Et ça, j'en ai parlé. Si vous avez envie d'entendre parler d'identité, il y a tout un épisode des Bulles Nomades là-dessus, où je vous parle d'identité, où je vous parle du modèle be, do, have, être, avoir, faire. Non, être, faire, avoir. Et l'idée de commencer par le être plutôt que de commencer par le faire. Donc si vous voulez entendre ça en détail, je vous invite à aller voir le podcast. En attendant, pour que vous compreniez ce que j'entends par là, je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que l'opération porte-monnaie ZIP 2020, elle est centrée uniquement sur le faire et l'avoir. Donc avoir des finances plus saines et avoir moins d'objets inutiles à la maison. Et puis faire, et ben faire, acheter que ce qui a marqué dans la liste de règles, faire se désabonner d'Instagram, des newsletters, des machins, faire ceci, cela pour pas être tenté d'acheter. Donc vraiment sur l'habitude d'achat, sur le faire, faire, faire. Et dans ce cadre-là, ce qu'on oublie, c'est la personne qu'on est quand on fait ces choses-là. Et en fait, pour arriver au même résultat, le have, en fait, le avoir, c'est le résultat qui est, ici en l'occurrence, une vie plus simple et sereine, des habitudes de consommation plus intentionnelles, avoir un compte en banque qui est mieux fourni, etc., etc. Et bien souvent, on se focalise sur qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça, mais on ne se focalise pas sur qui je dois être, ou qui je veux être, pour avoir ça. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple rapide pour vous montrer ça? Par exemple, pour faire le parallèle avec la nourriture et le fait d'avoir des habitudes saines, on peut se dire que ce que je veux avoir, c'est un corps en meilleure santé, et mettons que je suis en surpoids, avec du poids en moins. Ça, c'est ce que je veux avoir. Je veux, mettons, avoir 5 kilos de moins. Et ben, quand on se pose en début d'année pour se dire « j'ai envie de perdre 5 kilos », on va uniquement se focaliser sur le faire. On va dire « ok, eh ben, il faut que je prenne un petit déjeuner salé, il faut que j'arrête le fromage, il faut que peut-être je boive de l'alcool que le week-end, il faut que je mette plus de légumes dans mes plats, il faut que je fasse... Ah, peut-être qu'il faut que je prenne rendez-vous avec une nutritionniste qui va m'aider à m'équilibrer mes repas. » Donc on est dans le faire. Mais on réfléchit pas à quelle personne je deviens. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai perdu ces 5 kilos-là, par exemple, et que j'ai mon corps en meilleure santé, qui je dois être pour maintenir cette bonne santé, en fait, pour maintenir ces bonnes habitudes. Et on peut être plusieurs personnes différentes pour le même résultat. C'est-à-dire que moi, je connais des personnes
qui sont minces, qui contrôlent énormément leur poids, mais le genre de personnes qu'elles sont pour contrôler leur poids, c'est un rapport qui est malsain à la nourriture, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont tout le temps réfléchir aux calories, qui vont culpabiliser dès qu'elles mangent quelque chose d'un petit peu gras ou d'un petit peu sucré, qui vont être dans le contrôle permanent, qui vont être dans le jugement permanent des personnes qui sont peut-être un petit peu plus en surpoids, etc. Qui vont être en permanence dans leur espace mental à penser à la bouffe, au prochain repas, au prochain régime, qui vont se peser tous les jours, qui vont... Oh là là, dès qu'elles vont prendre 500 grammes, elles vont paniquer parce que, oh mon Dieu, bah demain je mange une salade, etc. Alors je ne juge pas ces personnes-là, c'est un autre sujet. Mais on vit dans une société qui malheureusement nous pousse à associer la minceur avec la santé et qui nous pousse à avoir ce genre de comportement obsessionnel de manière intentionnelle ou pas. C'est un autre sujet que celui d'aujourd'hui. Donc c'est pas un jugement du fait de se comporter comme ça par rapport à la nourriture. Mais ce que je me suis rendu compte en m'intéressant à l'alimentation intuitive depuis 2 ans, c'est que je ne veux pas être ce genre de personne. Je préfère peser 5 kilos de plus et avoir un rapport sain à la nourriture. Je ne veux pas être le genre de personne qui est dans le contrôle permanent, qui se pèse tous les jours et qui voit la nourriture comme un ennemi. Ce n'est pas qui je veux être, moi personnellement. Et donc du coup, ça met une toute autre lumière sur les choses qu'on peut faire pour avoir ce qu'on veut obtenir, si on réfléchit à qui on veut être. C'est-à-dire que, par exemple, ça ne marchera pas de me peser tous les matins, parce que j'ai pas envie d'être une personne qui m'obsède à propos de mon poids. Donc en fait, le fait de commencer par la personne que j'ai envie d'être, ça permet de réfléchir à des choses qu'on veut faire, qui sont davantage en accord avec nos valeurs, qui sont davantage en accord avec la personne qu'on a envie d'être, en fait. Et en gros, on... Ah, c'est difficile à expliquer. En gros, on va mettre en place des habitudes, on va chercher des solutions qui sont pas seulement alignées avec le résultat qu'on veut, mais qui sont avant tout alignées avec la personne qu'on veut être dans le processus. Et donc du coup, le fait d'aborder ce questionnement en partant de la personne que j'ai envie d'être avant tout, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet de mettre en place des actions qui nous correspondent davantage, et qui du coup vont être plus faciles à suivre parce qu'on sait que c'est profondément aligné avec qui on est ou qui on est en train de devenir, qui on a envie de devenir, et en soi ça crée une motivation supplémentaire en plus du pourquoi. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de la petite robe que je trouve, si je me dis j'ai envie d'être le genre de personne qui savoure ce que j'ai déjà, qui achète un petit peu de temps en temps pour en faire un vrai plaisir, sans culpabilité, et je ne veux pas être le genre de personne qui se fait manipuler par le marketing et qui fait des achats impulsifs, et ben ça fait une motivation supplémentaire, un gain supplémentaire à reposer la robe sur le portant, même si on a les moyens de l'acheter, la place, etc., qu'elle nous plaît, etc., parce qu'on sait que cette action-là, de reposer la robe, de la mettre sur une liste d'envies, de prendre plaisir à y penser, à en avoir envie, de s'assurer qu'on en a vraiment envie, ben, quand on sait que ça fait partie de la personne qu'on a envie de devenir, qu'on est en train de devenir, que c'est quelque chose qui est aligné avec nos valeurs, et que quelque part on s'aligne de plus en plus à chacune de ces actions-là, à chaque robe qu'on repose sur le portant, on s'aligne de plus en plus avec la personne qu'on est profondément, ou qu'on a profondément choisi d'être. C'est hyper, émancipateur, hyper autodéterminant, hyper... ça crée beaucoup de pouvoir intérieur, de souveraineté intérieure, de se dire « je choisis qui je suis, et par cette action, je suis en train de devenir cette personne ». Et en tout cas, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant, et qui est, je pense... Alors, on en reparlera en fin d'année 2022, avec, quand j'aurai plus de recul... mais là, on arrive à la fin du mois de février, deuxième moitié du mois de février, et j'ai remarqué que c'était ça qui m'a le plus motivée à ne pas céder à des impulsions d'achat qui peuvent être mises par des pubs, des coûts marketing, des machins, des trucs. On sait très bien dans quelle société on vit qui nous pousse à l'achat, hein, donc j'ai remarqué que ça, voilà, l'idée de l'identité, c'était le plus important pour moi. La difficulté avec ce point-là, le point de l'identité, bah c'est qu'il faut commencer par trouver une identité qui nous convient. Si je reprends l'exemple de manger sainement, etc.,
Bah, si l'identité de la personne qui se contrôle en permanence, qui voit la nourriture comme un ennemi, qui se pèse tous les jours, ne me correspond pas, est-ce qu'il existe une identité qui à la fois me correspond et à la fois est compatible avec des habitudes saines qui me permettent d'avoir un corps plus sain et éventuellement de perdre du poids si c'est ça qui est le plus sain pour mon corps? Et du coup, ça veut dire qu'il faut venir aller chercher des modèles alternatifs. Et moi, c'est ça que l'alimentation intuitive m'a aidé à faire. Ça m'a permis de trouver des façons de penser alternatives, des modèles alternatifs, des visions du monde alternatives pour façonner cette identité de la personne que j'ai envie d'être par rapport à mon corps et à ma santé. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que qui j'ai envie d'être, justement, c'est pas seulement les habitudes, mais c'est la vision du monde. On entre dans le domaine de l'imaginaire intérieur. Donc c'est comment est-ce que j'ai envie de voir les objets, mon rapport à l'objet. Comment est-ce que j'ai envie de voir l'argent, mon rapport à l'argent. Qu'est-ce que je pense du fait de gagner de l'argent, de garder de l'argent, d'avoir de l'argent, de dépenser de l'argent. Quelles sont mes valeurs à moi par rapport à ça? Ça peut être quel est mon imaginaire intérieur par rapport au fait de mener une vie simple, une vie modérée, une vie équilibrée. Où est-ce que je place le curseur, par rapport au niveau de simplicité dans mon intérieur à moi. Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Qu'est-ce qui est de la valeur pour moi? On quitte complètement le domaine des actions, parce que les actions, ça va être ce qu'on va adopter en accord avec cette identité, et on entre vraiment beaucoup plus dans une réflexion de philosophie de vie en fait et de vision du monde. Et ce qui m'a énormément aidée dans cette détermination de mon identité simple et sereine en 2022, ça a été tout ce que j'ai redécouvert sur la simplicité entre guillemets à la japonaise en 2021. Donc ce dont je vous ai déjà parlé par rapport au wabi-sabi, par rapport au fait d'embrasser, d'accepter l'imperfection plutôt que de vouloir être une minimaliste parfaite. En fait, et ça je l'ai remarqué en revoyant mes vidéos de 2020, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité sous-jacente dans la manière dont j'ai abordé les choses en 2020, qu'il faut être le minimaliste ou la minimaliste parfaite, que je devrais pas avoir de désir d'achat, que je devrais jamais craquer. Et je le vois dans mes vidéos que, au contraire, je vous dis et je me dis à moi-même dans la même occasion que non, c'est pas sain de culpabiliser, mais le fait est que la personne, enfin le seul modèle d'identité de personne qui fait une année zéro achat, une année porte-monnaie zippée dans mon imaginaire intérieur à l'époque, il n'y avait que les modèles de minimalisme à l'occidental, de minimalisme perfectionniste, qui sont des gens qui décident de faire une année zéro achat et qui le réussissent et qui commettent pas d'erreur et qui consomment quasiment plus rien et qui ont un appartement vide avec des murs blancs, avec des machins. Et bien sûr que ce genre d'identité, ça ne peut mener qu'à la culpabilité quand on craque. Et je sais que par exemple, moi, dans mes valeurs hyper importantes de vie, hein, il y a la beauté, qui fait partie de la petite constellation autour de la créativité, de la curiosité, de l'art, de l'esthétique, etc. La beauté, c'est important pour moi. M'entourer de jolies choses et me sentir bien dans mon environnement, que je trouve mon environnement beau à mon goût, évidemment, mon goût à moi, hein, c'est hyper important pour moi. Il y a des gens pour qui c'est pas important. Pour moi, c'est hyper important. Et pendant des années, j'ai ressenti une culpabilité d'aimer les belles choses dans un paradigme où on nous dit que l'identité du minimaliste devrait être l'identité de quelqu'un qui ne s'intéresse plus aux objets, qui s'intéresse uniquement aux expériences, aux connexions humaines, et qu'en gros, que sa tasse soit une tasse blanche Ikea sans âme, c'est censé ne pas être grave. C'est-à-dire qu'on a une identité très utilitariste du minimalisme dans les choses qui se sont développées ces dernières années. Et c'est une identité qui ne me convient pas, en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris du recul aussi en 2021. Et là, je me suis construit une identité de personne simple et sereine qui me convient à moi, qui prend en compte l'imperfection et les limites de l'être humain, qui prend en compte le fait que je suis une artiste, qui m'inspire du beau, qui aime avoir du beau autour de moi, et où j'ai aucune raison de culpabiliser d'avoir des beaux objets, d'aimer les beaux objets et d'utiliser des beaux objets, par exemple. Donc on en reparlera ça si vous voulez, parce que je pense que ça fait déjà pas loin d'une demi-heure que je vous parle. Donc on reparlera dans une vidéo à part si ça vous intéresse de l'identité simple et sereine que je me suis choisie pour moi-même et des pistes pour réfléchir à tout ça. Mais là voilà, c'était ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai basé mon opération de porte-monnaie ZIP 2022 sur deux gros piliers qui sont le pourquoi profond et l'identité simple et sereine qui me correspond à moi. Maintenant, pour terminer, du coup, ce que j'ai choisi de mettre en place en 2022,
Alors, première chose, avant de vous parler des règles d'achat et de d'épargne et compagnie, la première chose, c'est que j'ai choisi de focaliser mon attention sur le sentiment de assez, sur la gratitude et sur le plaisir quotidien d'utiliser les beaux objets que je possède déjà. Parce que un avantage à aimer le beau, c'est que en 35 ans, eh bien j'ai accumulé pas mal de jolies choses que j'ai ramenées de mes voyages, que j'ai eu en cadeau à Noël, que j'ai trouvé dans des brocantes, dans des marchés d'artistes, dans des trucs, dans des machins. Même dans les époques où j'ai surconsommé, ben du coup j'ai surconsommé des beaux objets qui me plaisaient. Et je me suis dit que plutôt que de concentrer mon attention sur ce que j'ai pas le droit d'acheter, et du coup sur la frustration, sur l'insatisfaction, j'ai choisi de concentrer mon attention sur l'autre face de cette médaille, qui est le sentiment de assez et la gratitude pour ce que j'ai déjà, ce que je fais déjà, ce que je suis déjà. Et le quotidien, les instants de plaisir que je vis déjà. Et c'est là qu'on en revient à cette identité simple et sereine, où dans mon identité simple et sereine, je choisis d'être une personne qui savoure les petits moments du quotidien, même quand ils sont imparfaits, qui arrive à voir la beauté dans les petites choses de l'ordinaire, dans les choses impermanentes, dans ce que les saisons nous offrent, et j'ai envie de cultiver cette identité de personne qui suis satisfaite et reconnaissante et appréciative de toute la beauté qui m'entoure et de toutes les petites joies qui m'entourent, des personnes qui m'entourent. Et j'ai envie d'une personne qui focalise mon attention là-dessus, plutôt que de focaliser ma charge mentale et mon attention sur des règles d'interdiction d'achat, sur des choses que j'ai le droit, pas le droit de faire, sur passer une journée à me dire « Ah, oh, j'aime bien cette petite robe, j'ai envie de l'acheter, mais j'ai pas le droit. » Non, plutôt que d'être en train de penser à la petite robe, j'ai envie d'être en train de penser au thé que je suis présentement en train de savourer. Il s'appelle Sortilège Hivernal de chez Jardin de Gaïa, si ça vous intéresse. Et j'ai envie d'être le genre de personne qui va... Ok, je vois un truc qui me plaît, j'ai pas envie d'être le genre de personne qui ne désire plus rien. Parce que, un, c'est pas forcément possible, et deux, c'est pas ce dont j'ai envie. Parce que j'ai envie aussi de venir construire petit à petit un intérieur qui me ressemble, qui évolue avec moi, ramener des souvenirs de voyage, donc j'ai pas envie de cesser de désirer des choses. Mais en gros, j'ai envie d'être le genre de personne qui... Ok, je vois quelque chose dont j'ai envie, je vais l'ajouter à ma liste d'envie, et puis je vais passer à autre chose. Et venir profiter de mon petit thé et de la vidéo YouTube que je suis en train de tourner avec grand plaisir. Ça me fait très plaisir de vous parler. Elle m'avait manqué, les vidéos longues. Et puis, lorsqu'il y aura un moment où c'est le moment de prendre des décisions d'achat, de voir où en est mon budget, on va y venir là, de voir où en est mon budget, de voir où est-ce que je peux me faire plaisir, et ben là, focaliser toute mon attention sur la liste d'envie à ce moment-là, concentrer toute mon attention sur le plaisir de choisir ce que je vais m'offrir à ce moment-là, et le plaisir de l'acheter, le plaisir d'aller au magasin, ou le plaisir de déballer l'objet, etc. Et où là, toute mon attention sera focalisée là-dessus, sur ce plaisir-là, au lieu de, comment dire, de quelque part avoir tout le temps mon mental qui tourne en tâche de fond, de j'ai envie d'acheter ci, j'ai envie d'acheter ça. Non, je me donne des moments pour savourer l'acte d'anticiper un achat et d'acheter quelque chose, et des moments pour savourer, et des moments bien plus nombreux pour savourer ce que j'ai déjà et cultiver la gratitude. Je sais plus où j'avais lu que la gratitude, c'est un petit peu l'émotion la plus contraire et la plus ennemie de la société de consommation, puisqu'on peut pas à la fois ressentir de la gratitude et un sentiment de assez et d'appréciation pour ce qu'on est en train de vivre, et ce qu'on a et ce qui nous entoure, etc., et pour notre vie, et en même temps avoir envie d'acheter un truc. Simultanément, je veux dire. Bien sûr qu'on peut avoir les deux dans notre vie, mais simultanément, quand on est en train de ressentir de la gratitude, par définition, on n'est pas en train de ressentir de l'insatisfaction en même temps. Et c'est l'insatisfaction qui pousse à se dire « Ah bah là, j'aimerais bien m'acheter ceci, cela, parce que je suis insatisfaite de la situation actuelle de ma collection, ou de ma déco, ou de ma garde-robe, ou de que sais-je. » Et du coup, voilà, j'ai envie qu'avant tout, la première règle de mon opération porte-monnaie Zippé 2022, c'est de focaliser mon attention et mon énergie et mes habitudes quotidiennes sur la gratitude, sur le fait de savourer les instants du quotidien, sortir ma tasse de thé préférée tous les matins et pas seulement le dimanche,
par exemple, pour donner un petit quelque chose supplémentaire à mon thé du matin, vraiment savourer mon thé du matin et ressentir de la gratitude pour la tasse que je possède déjà. Et ça, par effet ricochet, forcément, je vais avoir moins souvent envie de mâcher des nouvelles tasses parce que je vais ressentir de l'appréciation pour celles que je possède déjà. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc ça, c'est mon premier pilier, on va dire, de l'opération porte-monnaie zippée 2022. Me focaliser, créer des moments où je profite de ce que j'ai déjà. Voilà, ensuite, les actions concrètes par rapport aux achats. Il y a la même base, en fait, qu'en 2020, à savoir que je suis quelqu'un de modéré. Du coup, je me base sur la modération plutôt que l'abstinence totale. Ensuite, les deux outils que j'ai mis en place, c'est la liste d'envies et le budget saisonnier. Donc le budget saisonnier, c'est que j'ai divisé un certain budget pour une saison, donc pour 3 mois. Là, en ce moment, je suis dans le budget hivernal pour janvier, février, mars, que j'ai divisé en 4 catégories uniquement pour les achats plaisir. Parce que les achats carburants, c'est pas là-dessus que j'ai besoin de changer mes habitudes. Du coup, je me suis vraiment focalisée sur les achats plaisir. Et du coup, il y a... Qu'est-ce qu'il y a comme catégorie ? L'appara, donc tout ce qui est vêtements, bijoux, cosmétiques, tous ces trucs-là. Il y a le nid, donc tout ce qui concerne la maison, les meubles, la déco, le thé, les bougies, les mugs, les étagères, les petites œuvres d'art sympas, l'encens, tout ce qui rend mon nid plus agréable, quoi. Donc ça passe à mon nid. Le troisième, c'est tout ce qui est créativité, art et papeterie. Donc ça c'est tout... enfin non, culture, art et papeterie. Donc ça c'est tout ce qui est les carnets, les livres, les expos, les musées, les ciné, les beaux livres, les jeux vidéo, voilà, tous ces trucs là, je sais pas moi, les stickers, je dépense beaucoup d'argent en tout ce qui est librairie, papeterie, je dépense beaucoup d'argent là-dedans. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de mesurer. Et il y a une quatrième catégorie qui est un peu les miscellanées, les autres choses qui me plaisent et qui ne seraient dans aucune des 3 catégories. Et en fait, plutôt que de faire un budget mensuel, parce que par exemple, je vais dépenser beaucoup en apparat en janvier parce qu'il y a les soldes d'hiver, et peut-être qu'en février-mars, je vais acheter 0 vêtement. Donc du coup, je me suis dit que par saison, c'était beaucoup plus pertinent, ça me permet de réfléchir à mes besoins saisonniers aussi par rapport au climat, par rapport au genre d'activité qu'il y a à ce moment-là de l'année, etc. Et donc je divise ça pour la saison, et ma seule règle en fait, eh ben, c'est de respecter le budget, c'est de rester en dessous du maximum. Et après, c'est moi qui me débrouille. C'est-à-dire que si j'ai fait un achat impulsif, ben tant pis, je le paye, quoi. C'est-à-dire que derrière, je peux plus rien m'acheter avant le trimestre suivant si je suis arrivée au bout de mon budget. Donc ça me responsabilise aussi. Plutôt que de me dire « oui, mais si ça... » et d'essayer de me convaincre moi-même que « mais non, c'est pas un achat plaisir, ça compte pas, ça machin... » Si, ça me responsabilise, j'ai un budget. Si j'ai craqué, j'ai craqué. Mais maintenant, le budget, il est atteint, donc ben, je paye les conséquences en ne pouvant plus m'acheter ce dont j'avais vraiment envie au fond. Parce que j'ai craqué impulsivement sur quelque chose qui finalement me faisait pas si envie que ça. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Mais voilà, je me dis que ça me responsabilise. Et le deuxième outil que j'utilise, c'est l'outil de la liste d'envie. À savoir que quand il y a une nouvelle chose que j'ai envie d'acheter, plutôt que de cliquer sur acheter, la règle c'est je le mets d'abord sur la liste d'envie. Et je le laisse sur la liste d'envie suffisamment longtemps pour voir si j'en ai vraiment encore envie ou pas. Déjà pour avoir le plaisir de regarder cette liste d'envie, et puis le jour où je choisis de m'acheter quelque chose, de me dire « Ah, qu'est-ce que je vais sélectionner sur la liste d'envie ?» Donc remettre du plaisir aussi dans l'acte d'achat, là où dans la vision du minimalisme précédente, c'était beaucoup de culpabilité autour de l'achat, qu'il fallait absolument ne plus jamais avoir envie de rien, etc. Là non, j'ai envie de remettre aussi du plaisir dans l'acte d'achat. Qui soit plus intentionnel, plus rare, plus mesuré, plus équilibré, plus modéré, mais qui soit une source de joie, quoi. Et donc la liste d'envies, c'est l'outil qui permet de remettre de la joie là-dedans. Donc on ajoute les envies. Et puis, si je peux m'acheter qu'un seul truc, je vais forcément sélectionner ce qui me fait le plus envie à un moment donné, et ça va automatiquement prioriser les choses. Et ça me permet de prendre conscience aussi des techniques marketing de super promo que jusqu'à ce soir. Ben non, tant pis, je le mets sur la liste d'envies. Et puis, si le jour où je m'achète, il n'est pas en promo, ben, tant pis. Ou alors, si j'ai un truc qui est déjà sur ma liste d'envie, où là, je reçois une lettre qui dit, une newsletter qui dit promo sur les trucs, là, peut-être que je peux me dire, ah bah tiens, c'est l'occasion de m'offrir quelque chose qui était déjà sur ma liste d'envie. Mais en fait, ça coupe tout de suite. Enfin, ça m'oblige à me rendre compte qu'il y a une technique marketing qui est en train d'avoir lieu, qui est une technique d'urgence pour essayer de me faire acheter impulsivement. Le fait d'avoir toujours ce filtre de « Ah non, t'es censé le mettre sur la liste d'envie d'abord,
ça me permet de me rendre compte et puis de faire redescendre en fait cette impulsion d'achat non réfléchie. Ça m'oblige à faire ah, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire passer cet objet-là devant tout le reste qui est sur ma liste d'envie depuis 3 mois, quoi. Voilà. Donc le budget et la liste d'envie. Et donc le budget, là pour l'instant, j'ai mis que mon budget de janvier à mars. Et fin mars, quand je vais faire un point justement sur l'opération porte-monnaie zippée, comme je note tous les achats, bah, ça va me permettre de revoir aussi un petit peu ce que j'ai acheté, dans quelles conditions émotionnelles j'étais. Ça, j'en avais parlé dans les vidéos de 2020. Hein. Tout le côté leçon en fait par rapport à chaque achat. Ça va me permettre de réajuster le budget pour avril, mai, juin après. Est-ce que je l'augmente? Est-ce que je le baisse? Est-ce que je redistribue à l'intérieur des catégories? Voilà, je me laisse de la flexibilité là-dedans. Et j'ai voulu simplifier les règles, en fait. Au lieu d'avoir 7, 8 points, il y en a 2. Respecter le budget et le mettre sur la liste d'envie, c'est beaucoup plus simple, en fait. Voilà. Et pour l'instant, c'est très efficace, puisqu'on est le 13 février au moment où j'enregistre ça et il y a eu zéro craquage. Il y a eu quelques achats le mois dernier de soldes, etc. qui étaient prévus, qui sont dans le budget. Ça, c'est bien. Pour l'instant, mes règles sont respectées. Il y a des choses qui ont été mises sur la liste d'envie que j'ai finalement pas achetées. Enfin, l'occasion est partie, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est efficace. Si tous ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à me dire quel genre de sujet vous souhaitez que j'aborde en profondeur. Je sais pas si je referai des grandes conversations vidéo comme ça, ou si je vais migrer la conversation sur la saison 2 de Simplicité, puisqu'il va y avoir une saison 2 de Simplicité cet été, je pense qu'elle sortira. Donc à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je continue cette série-là en vidéo, est-ce que vous avez envie que j'aborde plus en détail certains sujets dans des vidéos plus courtes et plus focalisées qu'une grande mise à jour comme ça qui parle de plein de trucs. Voilà, la parole est à vous, la section commentaires est en dessous. Vous pouvez aussi aller réécouter, revoir toutes les vidéos pour mes IP 2020. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vais aller finir mon thé avant d'éditer cette vidéo et vous la poster. Elle devrait sortir dans une semaine, au moment où je la filme. Merci d'avoir vu ça jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.